Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est The Falsification pour l'épisode 4 de Mappa 2, pour donc la map... La map 2. Mais non, elle est plus haut. En compagnie donc... en compagnie donc de Valamo. Salut. Et de Megatrans. Salut. Et donc on va continuer donc là où on en est arrivé. Donc Megatrans, je te repasse tu sais quoi. Attends, attends, parce que c'est... Attends, hein. Ok. C'est bon. C'est bon les gars. Yes. Ok, ouais. Voilà. Oh merde. On voit sur la console que je l'ai mis en avant, je suis en mode où il y a... On a juste un peu de truc parce que là en fait il allait trop attendre et c'est impossible à solo. Donc on va le laisser faire. Donc moi et Chris on est prêt. Attends plus que toi tu t'équipes et tout blabla. Ouais. Ah donc toi aussi t'as pris la diminution des mobs à ce que je vois. Ouais ouais ouais. Ouais t'as... tu préfères éviter hein. D'ailleurs ils vendaient pas du pain. Et merde. Bon tant pis. C'est la vie. Allez c'est parti, on est prêt. L'empire tu peux reprendre du d'or ou pas. Bon. Non c'était 4 points. Ah ouais non on a eu 2 points tout à l'heure. Non on a eu 1 point je crois. Trop tard. Merde. Vite. Attends. Attends, attends, on... ah, c'est bon, on a obtenu. Putain, trop tard. Non, c'est foutu. 3, 2, 1. Où est-ce qu'il est, le gars qui bouffe? Trop tard. C'est la course chrono. Vite, attention, attends encore. Attention, attention. Allez, doucement. On a fait diminution des mobs, augmentation des mobs. Oh là là. C'était là aux guerres, mon colonel. Non, pas lui encore. Hein. Alors là, c'était un squelette avec une épée maintenant. Par où? Par où? Par là, tu penses? Je pense pas, j'en suis sûr. Mais j'arrive pas à sauter. Ah merde. Attention! Oh merde! Ah oui. C'est vrai que c'est très. Ça fait très mal. C'est très très mal. Ah, ça va en plus, il reste pas avec les items. Ah, j'ai réussi! Du deuxième coup. Non, Valamo n'a pas la rage. Non, non, il l'a pas. Non, moi je suis monté. Attends, t'es sûr que c'est du bon côté, ouais. Bah ouais, moi je suis en haut. Ouais, y'a pas des autres portails en fait. Oh non. Oh. Ah, y'a un Enderman. Un Enderman. Un Enderman. Bah monte, y'a un Enderman. En fait, je suis pas parti du bon côté, je crois, moi. Non, il est parti vers la... par le... l'endroit le plus... Merde, j'ai fait peur à l'Enderman. Oui. Non, je voulais pas 2 points, moi j'en voulais 4. Ah, t'as réussi. Ouais. En gros, en fait, c'est plus une sorte d'épreuve de course, en fait, qu'une épreuve de chercher à avoir des points. Ah, c'est une épreuve de course, en fait. En gros, le principe, c'est d'aller vraiment le plus vite à aller en haut, quoi. Et les gars, c'est bon, t'es arrivé en haut? Presque. Au fond, là-bas, se trouvent vos adversaires. Attention ah ouais. Derrière vous. Modifier le spawn point. Hop. Et là qu'est-ce qu'ils vendent? Ah ils vendent des armures enchantées. Bon on s'en fout. Ok on s'en fout peut-être pas en fait. Ouais on s'en fout peut-être pas. Vas-y j'attends que c'est fini. Vas-y fais. J'ai pas encore. Faut que je retire mon armure. Hop. Voilà, après ça. Merde, y'a pas les jambières? Non, non, y a que l'armure. Je pense que c'est... Hop, hop. Oh merde, zombie qui vient. Ah, ça y est. Hein? Attends, t'as encore avancé en fait, toi? Non. Non, mais gros sadique, en fait, il a encore avancé. Oh! Je vois pas de quoi tu parles. Ouais. En gros, pendant ce temps que nous, on cherchait un petit équipement à modifier, lui, il continuait la route, tranquille. Oh ya. Yeah. Et du coup c'est pas fini hein. Attends qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Vous aurez certainement besoin de vous recharger. T'as pas mis prête? T'as pas mis prête là? Il vend quoi lui? Du pain. Oh d'accord, en plus c'est... regarde. Oh non. C'est... ça va être un chialer de mort là. C'est la truc de glace. Et Megatron se blue up, j'ai entendu l'explosion. Oh putain. Ça va être chaud là. C'est bon. En gros là c'est le jump de glace. Hein. Ouah. Fail.
T'es sûr. Et tu vas la passer. Ah. Ouais, en gros je vois ce qu'il va y faire. En fait, en gros, il faut s'équiper le max, c'est comme ça quand tu y aura le combat final contre le joueur adverse, ben. Et ben tu seras soit mieux équipé, soit tu seras dans la merde. En gros. Je passe par où là? Je sais pas, mais je te suis. C'est bon le pain. Oh non, quand même pas. Il fasse que... Ah mais maintenant je vais où? Ils sont pas malins les mecs. C'est sûr que c'était pas. Et toi t'es sûr que c'était ouais, c'était là, je sais pas, je fais comment. Comment t'as fait toi? Attends. Ah c'est là plutôt. Et après. Ah ouais. Là-bas. Voilà. Aïe, je me suis fait mal en plus. Par contre, après, c'est où? Ah là. Je me suis pas mis. Ah, ça. Foufou. C'est là. Ah. Final. 4 points! Je vais regarder où est-ce qu'il en écrit. C'est bon. Après, il ne reste plus que quelque chose à faire là, et puis c'est bon. Derrière, à droite là. À gauche, putain, derrière à gauche là. Ouais, à droite, à droite. Non, non, juste devant toi, regarde. Non, derrière toi, maintenant. Ah, là, oui. Oui. Oh là là. Ok, c'est bon. Voilà, nous on a réussi. Et toi, Mega Sanonka? Bah, je sais pas, je suis un peu paumé là. Compagnon. Déblocage salle secrète. Pour le pas final. Ah, déblocage salle secrète, regarde. Oui. Je vais chercher une seconde. C'est activé où aussi? C'est pas le truc en haut là? Non, c'est pas le truc en haut. C'était un truc à piston. C'est peut-être écrit quelque part. Hein. La salle secrète qui sert à que dalle. Utiliser vos points avec réflexion. Il nous reste 4 points quand même. 4 points? Ah. Ils ont pas acheté avec toi. Un point. Ah ici Thomas. Ah ouais. Ah ouais, bah c'est peut-être d'enchantement, il y a tout pour réparer nos obus. Bah il y a peut-être, bah justement, il y a peut-être des gens, des marchands qui vendent des épées en diamant. Cherchons, ouais. Cherchons. La armure. Ah, tu vois là, qu'est-ce que je dis, armure en diamant, 6 pépites. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui m'a épée là. Ah pourquoi j'avais vu un truc qui intéresse. 6 pépites ou 8 pépites? 6 pépites pour l'armure en diamant. Parce que là il n'est pas un diamant 8. Ah 8, bah voilà c'est là, là. Par contre attends, on va être bien, bien avec moi. J'ai vu que pour un point on avait des pépites d'or limitées, je sais pas quoi là. Non mais moi par contre j'ai vu qu'on avait possibilité d'acheter des boules d'or. Ah bah viens viens viens, on va se prendre les pertes de l'un. Vu qu'on a acheter. Vu qu'on a encore 4 points, on va prendre un peu de pépites d'or. Une seule. J'ai obtenu 8 pépites d'or. Ok. Ouais, ah, c'est quoi tout le reste? Des pièges. Oh des pièges pour c'est un coup. Au pire on met un piège pour eux. Non, il est déjà tout seul. Bon, ton renard. Mais il l'a mis, hein. Donc on va lui mettre, hein, tant pis, hein, désolé d'Améga. T'as joué avec nous. Attends, faut rester à côté, je crois, non? Je sais pas. Ne partez pas trop loin, il a dit. Bon, il nous reste un point. Terminé. Il nous reste un point. Bon, bah là, je vais utiliser une étoile diamant. Il y a pas une fiole dans l'XP? Si, si, tu peux acheter des fioles. Où ça? Je l'avais vu, là. Mega a acheté des compagnons. Ah mais gars, tu peux parler hein. Ne te sens pas Là ici t'as 15 bouteilles pour une pépite. Les gars. Ouais ouais t'as entendu. N'aie pas peur de parler hein. Non mais j'ai pas peur, t'inquiète pas hein. Oh oui, on se donne des potions. Niveau 22, je vais reprendre encore. T'en prends jusqu'au quel niveau toi? Niveau 19. Pourquoi là, je pense c'est jusqu'au niveau combien? 30, moi je pense, je sais plus. Bon, bah. Attends, je vais aller voir. De toute façon, je suis niveau 25.
Niveau 16 maximum, donc Oups. Bon bah tant pis. Ouais, fais péter les potions, Maurice. Tu boostes le pochon, toi. Beaucoup trop loin, armure en diamant. J'ai un armure en diamant. Yeah. 31, 32, presque. Je reprends des pipites. Tant pis, c'est la fin. Pépite d'or. Je vais prendre une armure en diamant. Un des trois. 5, 6. Hop. Et merde. Je pourrais prendre que la casque et les têtes. Les pieds. Et on va enchanter notre épée qui se trouve là. Alors hop. Butin 1, aura de feu 1. Ouais, en gros, de la merde. La nourriture, non, c'est... Le combat final approche. Ah, j'ai dit, au fait, j'ai acheté 2 pierres de lame. Ça fait quoi, ça? Bah, les boules de téléportation. Ah oui. Bah oui. Ah bah oui. Par contre, c'est quoi, ça, là-bas? Délai 8 secondes. Bon, ben, manque plus qu'à mettre près les gens. Hein. 2 secondes. J'enchante juste mon casque. Toi, méga, t'es prêt? Plus d'explosion. Ouais. Oh la rage! Ouais. T'avais en fait t'avais un gars qui vendait à 35 pépites une épée tranchant 2 et recul 4. T'as combien, ouais. Il te reste combien de pépites? 0. Ouais. Y'a pas un mec qui rachète les trucs de en maille? Non. Bon bah en fait en gros ce qu'on aurait dû faire c'est garder nos sous quoi. Vu le truc que c'est. En gros comme ça t'aurais tes trucs. L'équipe rouge est prête, faut bien dire prête hein. Hein mes gars? Ouais. Entre parenthèses. Ouais. Entrée de l'arène. Oh non! Parce que c'est une équipe. Non! Quoi? Oh non, je suis bloqué. Non, non, je voulais pas prêt, je fais pas prêt. Pourquoi j'étais là-dedans putain? Je pensais pas que ça allait se refermer. Non. J'en comment moi? Bah moi il va falloir que t'attends que j'appuie sur le bouton. Donc 3, 2, 1. Ah j'ai mon cruel. Vas-y fais toi aussi avec ça vraiment. Ah là y'a quelqu'un. Oh. T'es prêt? Ouais. Are you ready? Oh puis regarde l'arène. Par contre, si le mec il vend des bouteilles de lait à. Des seaux de lait à 22 pipites d'or, c'est parce qu'on va être empoisonné, je pense. Bon, on verra. Bah oui, il avait dit qu'on avait activé des pièges pour. Mega il a activé des pièges pour nous et nous on a activé des pièges pour lui. Donc on va être tous les deux servis quoi. Bah tous les trois plutôt servis. Donc c'est parti donc, pour le combat final entre. Bah là, ça va être le combat à mort contre Mega Trans. Allez, c'est parti. 3, prêt 2, 1. Ça va saigner. C'est parti les amis. On va pas se faire dégueulasse, on va pas se faire de contraintes. Non, on va faire du contre. Je vais essayer de partir contre lui, et puis si tu meurs, je viens sur lui. Ouais, voilà. Ou si tu meurs, ou si lui il meurt directement, ah. Tant pis pour lui. Eh, t'avais et raison. Oh, oh, je suis drogué. Je suis complètement bourré. T'en vois que dalle. Oh, ça va mal à la tête. J'avoue que ça fait. Oh, je vois méga loin. Ah c'est bon, c'est fini. Aïe aïe aïe. C'est excellent. Oh, il y a un beacon ici. Ah ouais, mais du coup... Ah ouais. Deux. Sur beacon, en fait, t'as de la faiblesse, la lenteur, et j'ai un... Ah, moi, c'est les potions, ça. Ah, mais... Ah non, ouais, c'est... Donc je vais taper Meg en premier. Ouais, ouais. Oh, l'enfoiré, il y a des compagnons. Compagnons. Yeah. Oh oh, les chiens ils m'ont attaqué. Dégagez. C'est son costaud les chiens. J'avoue, ils me font mal. Oh purée, toi tu m'as fait mal. Oh non. Non, pas dans la lave. Vite. Les chiens. Les chiens ils ont sauté. Non. À nous deux, méga. Attendez, attendez, attendez.
Ah bah c'est bon, non, c'est bon, je peux être un spectateur. Vas-y, 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 vas-y. Super méga trans. T'as juste du cul qui a de la lave sur les alentours. Bah c'est ça une arène. Ouais. Surveille tes arrières. Allez, c'est parti donc pour le fight entre Valamo et Megatron. Attention, Valamo qui est sur la colline la plus haute du de cette arène, qui est en train de camper. Oh, il joue à la Kavuchi. Et Megatron qui essaie de se cacher. Hein. Alors Megatron, oh, il vient de se faire toucher. Attends, ton arc il est enchanté. Non. Ou c'est juste tombé dans la lave en fait, Mega. C'est ça, Mega. Ah, ouais, il a touché la lave. Les gars, ça serait prié d'arrêter de bouger, que je puisse au moins te filmer tranquillement. Mais le problème, c'est que là, je peux plus monter. Donc, what the fuck, comment je fais là? Ah oui. Ah, c'est... Et c'est la victoire de l'équipe bleue. Y'a pas un bouton pour dire que c'est fini? Oh, ta gueule, t'es mort, quoi. Si, Chris, vise la cible. Par contre, c'est pas marqué, mais 400 c'est mort. Mais regarde, fais artifice. Ah ouais. Oh, yeah. Oh oui. Oh. Oh, c'est magnifique. Attends, c'est pas y a fini. Pas un feu d'artifice qui marque Valamo en grand. Attends, hein. C'était. Ah ouais, regardez, regardez-le, la Valamo là, tranquille sur son petit truc là. Eh ben. Y'a quoi d'autre? Y'a quoi d'écrit de beau là-bas? Bah, hein, il dit les noms des testeurs, remerciements à Patati Patata. À Patty Prout, à Manning Prout. Hein. Go sur leur chaîne YouTube, sur Twitter pour je sais pas trop quoi. Et petit dit à suivre, donc il y en aura peut-être une seconde map. Et il marque que la branlette ça rend sourd. Et revenir en bas, donc comme ça, hop, voilà. Donc, bah, on a fait la map un peu trop rapidement. Bah, ça demande pas une grande difficulté. Ouais, j'avoue, en plus, le pire c'était encore contre. Il m'a envoyé quoi lui. Mais bon, c'est vrai que des explications un peu plus succinctes seraient plus faciles. Parce que l'arène, tu perds du temps quand même. Eh, hey, les mecs, regardez. Vous voyez? Eh, hey. Hey, je m'envole vers toi. La pierre des lames elle est pas passée. Non mais en fait tu vises la fenêtre, Chris. Non mais j'en avais qu'une. Ah mais en fait tu visais la fenêtre là, regarde, tu visais là. Oh, y'en a qui a volé une torche. Oh, ah, on vole. Ouais. Vite, cassons-nous, Méga, cassons-nous. Eh, c'est quoi ça? On vole. Access système. Ouais. Ouais, ouais, access système. Bah putain, regarde, t'as vu tout le système? Oh, tout le système de redstone de ouf. Eh, il fait noir, j'ai peur. Tu peux mettre en que je fly? En que je fly? I can fly. J'ai pareil dans mon salon. Ça ressemble un peu comme ça, tu vois, c'est juste pour mettre la table. Oh oui, le fail. Ouais, tu me... Pourquoi je l'ai foutu là, moi? J'en sais rien parce que t'es un cancre. Oh, même pas les permissions sur serveur. Putain. Voilà, perso, on va pouvoir tous voler, c'est parti. Perso, je pense que tu vois, je pense que j'aurais déjà fait 10 cubes de hauteur, que je me serais déjà tiré une balle dans la tête. Oh là là. Et déjà qu'en plus il va y avoir la Redstone Update, donc c'est encore plus chelou. Enfin, c'est encore la plus chelou. Quoi, la Redstone Update. Tu sais, la prochaine update, la 1.5. Ah ouais. Mmh. D'accord. Et ça va faire quoi de plus? Pourquoi il y a Go 5000 fois là? C'est moi qui m'amuse. Go, 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 go! C'est un peu comme l'armée, c'est... Débarquement! Attends, mais... Ça forme un visage si tu la regardes de loin, la montagne. Non? Enfin, de quel côté t'es? Je suis face à elle, mais... Ouais, non, c'est moi qui fume de la drogue, c'est rien. Ah mais quand tu la vois de d'en haut en fait, tu vois bien les chemins qui se dessinent en fait. Ça fait en fait la map elle est symétrique par rapport à un axe central en fait. Bah c'est normal vu que il y a un endroit c'est pour l'équipe rouge et un endroit pour l'équipe bleue. Donc c'est forcément symétrique si on n'a pas le même parcours tous les deux. Oh ta gueule, pourquoi tu gâches tout? On tombe. Attends, c'est encore plus bas. Je vais faire péter là. Allez, pour la fin de la vidéo, on va faire péter la map, mais à fond les manettes, les gens.
Non, faire péter l'arène. Mais la map, attends, on va mettre 10 heures pour mettre tout en TNT. C'est clair. Bon bah l'arène alors. C'est vrai que l'arène elle déchire pas mal, hein. Elle a de la gueule. Elle ressemble un peu à ce que, à celle que j'avais fait sur serveur. Pas du tout. Tu un peu. Pas du tout. Le dessus, il ressemble un peu. Pas du tout. Avance rayon, ce rayon. C'est ouais, c'est fort. Qu'en fait, quand tu vas au milieu, en fait, ça régène ta vie, c'est le beacon. Allez, vite fait, on se grouille, allez, on se dépêche, on pose des TNT. Alors, TNT, on a dit TNT. On a dit, et là, il coupe son micro. TNT. Allez, Gasper, fais tout péter. Un petit moment de silence pour tous ces enfants qui n'ont pas de TNT. C'est du grand n'importe quoi. La TNT, la matière la plus recherchée par les cucous. Les gens qui vinent. Oh, les psychopathes! Ouais, gros! On a trop bris, gros! Allez, c'est parti. Moi j'ai... Oh purée. Ah oui. Je sais même pas si la TNT va fonctionner vu qu'on a... Vu que normalement on peut pas péter de bloc. Bah toi quand les creepers ils explosent, ça, ils font pas de dégâts. Donc je sais pas si la TNT va fonctionner. Bon, tu veux qu'on teste? Vas-y, teste. Allez, on teste. Bon, y'a des chances que ça fonctionne mais je sais pas. J'ai un doute. C'est parti pour le test. Ah. Bon bah... Si ça fonctionne. Yo. Ah, ça a pas été jusque là-bas. On continue, hein. Là-bas aussi ça pète, c'est parti. C'est la festa. Ah, je vais te dire, franchement, je la trouve plus belle comme ça, la reine. Non, pas vous. Arrêtez de me foutre des... Ouais, il y a de la gueule, il y a de l'idée. Et surtout beaucoup de trous. Il y a beaucoup de PNJ qui sont dans la merde. Voilà, c'est... Ah oui, le PNJ qui crame, là. Donc c'est sur cette explosion de l'arène qu'on va clôturer ces deux épisodes donc sur la map Aller plus haut. Aller plus haut. Et on continuera donc sur d'autres maps, peut-être toujours en compagnie de Megatron et Valamo. Bah déjà Valamo je pense que c'est sûr, mais Megatron... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis... Ça dépend de ma libido. 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 Ouais gros. Libido. Bon, non, mais il y aura pas de soucis. Et puis on vous dit donc à plus à la prochaine donc pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. À plus. Ciao.